Aujourd'hui, je viens avec une boîte à outils Instagram. À la fin de cet épisode, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour atteindre vos objectifs sur ce réseau social. C'est parti pour un nouvel épisode de Mythe Digital. Alors, la boîte à outils n'est pas remplie d'applications spécifiques, mais de types d'applications. Je vais vous donner plusieurs exemples durant l'émission d'applications que vous pouvez télécharger. La première application à avoir sur votre téléphone, si vous voulez vraiment avoir des belles objectifs sur Instagram, c'est une application de planification de posts. Instagram demande vraiment beaucoup de temps. Il faut publier régulièrement si vous voulez avoir plus de followers et connu sur les réseaux sociaux. Donc, plus vous avez une application de posts, ça vous permet de gagner de temps, de programmer tout simplement votre post et de faire autre chose. La deuxième application à voir, c'est une application de création de stories. Plus vous faites de belles stories, plus les gens auront envie de voir votre contenu, plus l'algorithme va booster vos contenus sur d'autres personnes par exemple. Vous pouvez télécharger une application qui s'appelle Mojo, StoryArt. Vraiment, il y a une large gamme d'applications de story. Il suffit juste de rechercher. La troisième application à avoir sur votre téléphone, c'est une appli de prévisualisation de feed. Avec cette appli, vous pouvez voir une photo avant même qu'elle soit publiée sur votre feed. Qu'est-ce que ça va donner? Donc ça vous permet d'avoir un feed irréprochable, beau et vous gagnez du temps et aussi de l'esthétique. Vous pouvez télécharger une application comme Unum, Preview ou Later. La quatrième application, c'est une appli de retouche de photos. Ça vous permet d'avoir un feed beau, esthétique et aussi des photos de qualité. Vous pouvez télécharger une appli comme Lightroom, Facetune. Ça vous permet d'avoir non seulement un bon feed, mais les gens vont aimer plus vos contenus. Voilà ma boîte à outils Instagram, le must à avoir si vous voulez vraiment vous démarquer sur ce réseau social. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un autre épisode de Mythe Digital. Bye! I'm not afraid to die.